Salut tout le monde, j'espère que votre dimanche a très bien commencé et que votre week-end se passe bien jusqu'à maintenant. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série Back to Work. Comme vous savez, moi ça fait un petit moment que je ne suis plus aux études et du coup depuis l'année passée j'ai lancé cette série de vidéos Back to Work parce que pour moi c'est pas vraiment cohérent de vous parler de Back to School vu que je ne suis plus à l'école. Ce sont des vidéos qui pourront vous aider aussi si vous allez à l'école pour vous organiser. Et on va y aller tout de suite. Alors par contre, je vous invite à mettre pause, mettre un petit commentaire juste ici en dessous pour me dire quelle vidéo vous aimeriez voir dans cette série de vidéos Back to Work. Et moi, la toute première chose que je fais quand j'arrive au boulot, c'est me faire un petit thé pour bien commencer ma journée. Donc souvent, j'arrive un tout petit peu à l'avance et puis je me fais mon petit thé tranquillou. Donc voilà, pour la petite touche de fun tous les matins, mon petit thé avec une tasse trop mignonne. Donc là, c'est une tasse qui vient de chez Action, donc une tasse tropical, donc ma tropical way of life, je la trouve trop mignonne. Et rien que voir son thé le matin dans cette tasse, franchement, ça met trop de bonne humeur. Et donc dans mon bureau, je garde toujours une boîte de thé. Voilà, comme ça, dès que j'arrive le matin, je peux faire mon thé. Voilà, sinon après, le matin, moi généralement, je fais mes emails, je réponds à tous mes emails. Et puis quand j'ai fini, je m'accorde une petite pause, parce que souvent ça dure un petit moment. Et je prends mon petit déjeuner. Donc mon petit déjeuner, ça je voulais vraiment vous le montrer parce que pour moi c'est un incontournable petit-déj et petit-déj on the go. Donc ce que je fais, c'est que la veille je me fais un yaourt dans ces petits contenants. Voilà, je mets mon yaourt, je me mets des fruits et là au-dessus je me mets mes céréales. Alors normalement il y a une petite cuillère aussi qui va avec. Mais moi je les perds tout le temps, de toute façon je les utilise pas, elles sont trop petites. Moi ce que j'ai aussi dans mon bureau, c'est des tiroirs. Mon troisième tiroir, c'est un tiroir avec tous mes utilitaires un peu perso. Donc où je garde ma petite boîte de thé. Je garde toujours aussi une boîte de tampons. Ça sert toujours parce que quand on arrive au boulot et qu'on n'a pas prévu qu'elles arrivent ou qu'on a complètement oublié et qu'on n'a rien sur nous, on est content d'avoir cette petite boîte de tampons dans notre tiroir. Pour organiser personnellement mon travail, j'ai toujours plein de cahiers. Donc là je vais vous montrer celui-ci parce qu'il est vraiment trop mignon. Celui-ci vient de chez Mister Wonderful. C'est comme ça que je m'organise. J'ai besoin de noter pour enregistrer l'information. Et comme ça, bah, si j'ai oublié, si je me rappelle plus, c'est un truc que je fais pas souvent, je sais que tout est dans mon cahier. Donc voilà, rien que le titre, on a compris ce que j'ai dit que j'allais faire. Et c'est clairement le genre de truc que j'ai besoin quand je bosse, parce que moi j'ai tendance à tout oublier. Donc il faut vraiment que je note. Voilà, vous pouvez noter tout ce que vous comptez faire sur la journée et vous avez les petites boîtes à checker. Enfin je trouve ça trop pratique. Vous pouvez aussi organiser votre travail en jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le cahier de chez Mister Wonderful, il est vraiment juste trop pratique pour bosser. Et même si vous êtes étudiante, je trouve que c'est le truc le plus pratique du monde. Alors j'ai aussi trouvé ça chez Mister Wonderful et ça je trouve ça hyper pratique aussi. Enfin, au lieu d'utiliser des post-it, parce que voilà, moi j'ai un problème, c'est que j'oublie absolument tout. Donc si on me dit un truc et que je le note pas tout de suite, ou si on me dit est-ce que tu peux faire ça, ou si moi je me dis ah je dois faire ça et que je ne note pas, je vais l'oublier. Je note généralement sur un post-it, mais les post-it ça a tendance à se perdre, à s'envoler. Du coup j'ai trouvé ce truc chez Mister Wonderful qui est juste parfait. Vous notez simplement à faire, la priorité au de faire, comme ça vous savez si ça doit être fait tout de suite ou si vous pouvez reporter. Et vous avez le petit, la petite coche à cocher quand c'est fait. Enfin, je trouve ça trop pratique. Donc, en fait, je voulais trop vous montrer ces trucs de Mister Wonderful parce que je les trouve hyper pratiques. Personnellement, moi j'aime trop les trucs de chez Mister Wonderful. Je trouve ça tellement adorable, leur design à chaque fois c'est trop mignon. Et ça égaye tout de suite un bureau, un petit truc comme ça, il en faut pas plus. Un truc indispensable au boulot, des bics. Et moi j'aime bien avoir aussi, en plus des cahiers un peu fun, des bics aussi un petit peu fun parce que je trouve que ça égaye le travail. Et donc j'ai trouvé ceci chez Action, donc je vais vous les montrer de plus près. Et ils ont tous une petite citation dessus, donc ça rend le boulot un petit peu plus fun. Et voilà tout simplement ce que j'utilise pour rendre mon boulot un peu plus fun. En soi c'est très simple, c'est tous des trucs que j'amène de chez moi qui permettent d'égayer un petit peu mon bureau, vu que je sais pas mettre de photos, je sais pas trop mettre de trucs. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.